Voici Crush, votre nouvelle chronique vidéo littéraire à découvrir tous les trimestres dans les pochettes surprises culturelles Folipop. Pour ce numéro 1, dans le cadre de la Journée internationale du droit des femmes, j'ai décidé de vous présenter le roman de Camille Laurence, Fille. Fille, nom féminin. Petit 1, personne de sexe féminin considérée par rapport à son père ou à sa mère. Petit 2, enfant de sexe féminin. Petit 3, vieillie, femme non mariée. Petit 4, prostituée. Laurence Baraquet grandit avec sa sœur dans les années 1960 à Rouen. « Vous avez des enfants ?» demande-t-on à son père. « Non, j'ai deux filles, » répond-il. « Naître garçon aurait sans doute facilité les choses. Un garçon, c'est toujours mieux qu'une garce. » Puis, Laurence devient mère dans les années 90. Être une fille, avoir une fille, comment faire? Que transmettre? L'écriture de Camille Laurence atteint ici une maîtrise exceptionnelle qui restitue les mouvements intimes au sein des mutations sociales et met en lumière l'importance des mots dans la construction d'une vie. J'ai choisi ce livre parce qu'il met en exergue l'importance du champ sémantique utilisé durant l'enfance qui permet une construction plus ou moins positive de la personne et les différences qu'il existe dans la langue française entre les filles et les garçons. J'aime le fait qu'il prenne comme point de départ la langue française, le fait qu'il heurte les sensibilités, qu'il permette de se poser des questions. La vie, ça c'est la vie. Les histoires, les rires, mais l'amour, elle ne sait toujours pas. Le mystère grandit. Un jour, elle a demandé à Mémé comment c'était d'être amoureuse, comment on s'en rendait compte. Mais Mémé n'est pas la bonne personne. Elle a eu mamie sans mari, très jeune. Fimère, ça s'appelle. C'est comme un marron qui a cramé en pétant et que personne ne veut plus manger. Ce roman ne laisse personne indifférent. Alors je vous invite à le lire pour vous faire votre propre opinion.